encore. Ah ouais, t'en as pas marre? Presque. Ah, j'en ai marre. Trois épisodes. Trois épisodes. Oh mon Dieu. Mais bon, t'es bien là. Bienvenue chez vous. Oh, t'es pas bien chez moi? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On reconnaît que, bon, il fait pas très beau dehors, tant pis. Ouais, c'est dommage, je serais venu hier, on avait le soleil. Ben oui, on n'a pas le soleil. Le soleil, on l'a dans le cœur, comme disait. Exactly. Bon, épisode 3. Yes. Alors, tu as un groupe qui s'appelle ITCO. Oui, ITCO Renaissance. Renaissance. Oui. Alors, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ITCO Renaissance? Parce que le groupe avant existait en duo ITCO, tout simplement. Et que ce groupe ITCO, bah, malheureusement, comme beaucoup de groupes, ça n'a pas marché. On a dû se séparer, bref. Mais moi, je suis quelqu'un de très persévérante et je trouvais ça bête que ça s'arrête comme ça. Donc j'ai décidé de prendre des musiciens, au lieu que ce soit un duo de deux personnes où je trouvais que c'était très égocentrique quand même. Et voilà, c'était situé que sur deux. Et comme j'ai remonté avec des musiciens, j'ai gardé le nom ITCO parce que c'est un nom que j'ai créé. Et c'est un nom qui fait partie d'un langage elfique. Ah. Explication. Tu veux dire pauvre monde. Voilà, donc c'est comme ça. C'est un peu dans mon univers un peu. Et là, j'ai pris des musiciens. Et comme on est reparti depuis très peu de temps, eh bien, j'ai appelé ça ITCO Renaissance parce que c'est une renaissance. Et je recommence à remettre ça sur les rails. Voilà, je reviens. Merci pour l'explication. D'accord. Donc, on te retrouve en concert avec ce groupe-là. Tout à fait. Dès que tu peux. Ben oui, dès que je peux. Mmh. Dès que je peux. Et le plus de concerts possible, surtout. Parce que c'est toi qui fais tout. Parce que c'est moi qui ai composé, c'est moi qui ai écrit. Alors, bien sûr, certaines chansons ont été co-composées avec cet ancien musicien, mais j'ai tout réarrangé, en fait, grâce à mes nouveaux musiciens qui, il faut le dire, je leur ai laissé mettre leurs pattes parce que je considère que quand on est accompagné par des musiciens, c'est bien qu'ils mettent leur cœur aussi et qu'ils ne reproduisent pas schématiquement ce qui est écrit ou ce qui est fait, parce que ça met toujours un plus. Je les laisse interpréter à leur manière. Il y a des bases, mais je les laisse interpréter comme ils le souhaitent. Et puis, tu n'as pas que les musiciens qui t'aident. Non. On va dire merci à Betty. Ah ouais, une femme extraordinaire. Alors ça, Betty, elle est plus que dans mon cœur. En plus, c'est quelqu'un de... Ce que j'aime chez elle, c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement franche, qui fonce et qui n'est pas du tout dans l'hypocrisie. Et c'est ce que j'adore sur ce personnage. Et oui, elle m'aide. Et c'est grâce à elle que je fais le Nero. Et bien sûr, c'est grâce à Gérald, parce que c'est Gérald qui choisit. Mais c'est Betty qui m'a permis de les rencontrer, de rencontrer Gérald, qui m'a fait le croiser, etc. Et puis qui a proposé que je vienne chanter dans ce lieu avec tous les musiciens. Donc on a parlé de Betty, on a parlé des musiciens. Et maintenant, il faut parler de l'endroit. Parce que c'est magique ici, non? Ah ouais, c'est magique. On peut comprendre pourquoi j'ai des titres elfiques. Parce qu'effectivement, je suis entourée de bois, je suis au bord de l'eau. Tu entends les chansons par les petits oiseaux qui me donnent le la. Donc ça m'aide pour l'inspiration, ça c'est vrai. C'est une grande chance d'être là, dans ce lieu. C'est très apaisant. Et donc, j'ai écrit ITCO. Et ce titre, c'est le titre du nom du groupe. Mais il faut savoir que ce titre... Il est un petit peu mégalo parce que je me suis mis à la place de Dieu. Juste ça. Et Dieu en colère de ce qui se passe sur la terre, mais qui malgré tout va vouloir lui donner une autre chance. Donc voilà, donc ça s'appelle ITCO et tu auras peut-être un petit extrait si tu veux. Ouais, il y a un extrait. À bientôt. Tous tes doutes qui te tyrannisent. Que faudrait donc que l'on te dise que tu t'enlises? Je vais te donner une autre chance, raviver la flamme.